Et hop, coucou tout le monde! Ah, j'ai pas muté mon micro cette fois? Non, c'est bon, ça a l'air de marcher. Alors, bah, y a du beau monde! On a qui? On a Shadow Wonder, Dead Game 23, Titilou, Ninja le Business, bonsoir à tous! Comment est-ce que ça va? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et un bon vendredi, tant qu'à faire. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est toi? Tu t'es bien occupé du chat? Du chat ou du chat? J'imagine que c'est du chat. Ouais, ça va, c'est bon, c'est toujours les vacances, alors ça va. Bon, on a juste perdu quasiment 10 degrés depuis hier, donc il fait froid. Mais bon, je sais pas si c'est pareil en France, mais moi les variations de température, je suis pas très fan, ça me fait mal à la gorge, donc j'espère que ma voix va tenir pour ce soir. Oh non, Titilou, tu dois déjà partir. Eh bah écoute, bah bonne soirée. Et c'est pas grave, tu repasseras une autre fois. Coucou Scooby, comment ça va chez toi? T'as de nouveau plus le son. Ah merde. Merde. Les autres, vous avez tous le son? Attendez. Je demande quand même par écrit, on sait jamais. L'horreur ce matin, je me suis dit tranquille, je mets juste un t-shirt et il a plu toute la journée. Bah c'est pareil ici quoi, je suis sortie, on me disait ah je vais mettre un pull, j'aurai un peu trop chaud, mais allez, il est 8h et tout. Moi j'étais contente de l'avoir le pull. D'accord, ouais bah c'est... Donc c'est que Scooby, c'est tes drivers qui doivent déconner de nouveau. Bon, ben j'espère qu'il va arriver à régler ça. Ouf, ça marche, ah ben, tant mieux. Sinon, tu fais comme moi, tu regardes sur ton téléphone. Enfin, non pas que je regarde sur mon téléphone systématiquement, mais... Bah moi ma journée, je suis allée bouffer dehors ce matin pour changer les petits toasts au saumon ou au café du coin vu que ben ils ont enfin rouvert. Et puis bah, j'ai fait un petit peu de Hollow Knight en offline sur une partie moins avancée parce que je voulais enregistrer des bouts. Donc autant dire que quand mon platforming n'est pas absolument parfait, bah, je refais tout le truc. Donc ça prend du temps pour enregistrer genre 30 secondes, mais c'est pas grave. Et puis je l'ai pas sur le bureau, mais je suis en train de lire un truc. Alors, qui va absolument vous intéresser, ça va être magnifique. C'est Les secrets du trading par Stan Weinstein, trader des années 80-90. Donc, c'est pour ceux que ça intéresserait, c'est plutôt sympa. Bon, c'est un peu vieux, mais ça vous apprend à analyser les courbes en fait d'évolution des actions pour que vous sachiez quand acheter et quand vendre. Voilà. Je pense que ça va vite faire chier tout le monde, donc je vais pas trop en parler. Ah, Shadow Wonder, t'as pu acheter Ori. Bah écoute, bah, j'espère que ça va te plaire aussi, parce que moi en tout cas, les 3-4 heures que j'ai faites là, ça m'a bien plu. Donc je pense que je vais faire de nouveau un petit stream Ori la semaine prochaine. Peut-être le mercredi d'ailleurs. Après la piscine, tu te mets dans ton lit et ça fait du bien. Ouais. Ça dépend, tu veux dire parce que la piscine c'était froid ou parce que c'était chaud? Parce que moi je sais, la piscine ici en général elle est trop froide. Donc. Pourquoi ma radio elle joue pas? Pourquoi j'ai pas de musique? Bah alors Pretzel, qu'est-ce que tu fais? Je crois que ma radio est morte. En ce moment la grande mode c'est de trader sur de la crypto, perso j'ai jamais essayé. Moi non plus parce que c'est hyper volatile. Donc enfin, pourquoi Pretzel a planté mais passons. Donc j'ai pas encore osé la crypto, hein. faut être honnête. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui sur HK? Ben c'est une bonne question. Alors de toute façon moi il faut que j'aille vers le 112%. Hein. On va. Ça prendra le temps que ça prendra. Donc je me dis, il faut que je continue un petit peu le journal du chasseur. Faut que je repasse dans l'abysse pour essayer de choper des tentacules. Je sais pas encore où, mais à part dans l'abysse, je vois pas où ça peut être. Et alors ça, je me suis spoilé par erreur là-dessus. C'est. J'étais allée voir un autre streamer, genre en fin de soirée. Et puis il était dans l'abysse et tout, et du coup il ouvre son journal du chasseur et je vois une entrée Void Tendril, et là je fais. Ah! Alors ça j'ai pas. Donc je vais y retourner, on va voir pour les trouver. Petit bout de Colisée aussi, si possible, avant la fin de soirée pour pas être trop naze. Et Grimm, enfin continuer de chercher les petites flammes, je pense que ça peut être pas mal. Alors Path of Pain, non pas ce soir honnêtement. Path of Pain, je peux éventuellement essayer dimanche, par contre dimanche je ferai pas nouveau un stream de 6h parce que mercredi je suis encore claqué, donc voilà quoi. Alors t'as fait le début, puis t'as dû arrêter, mais je me suis pas trop spoil, donc j'espère que je... Vaisselle, allez, elle est quoi? Alors Shadow Wonder, je sais pas si c'est l'autocorrect, je suis pas sûre que j'ai compris la fin de la phrase.
Mais tu t'es pas trop spoil, ok, ça va. Void, ouais, exactement. Alors, j'ai au moins deux stagiaires en ce moment qui font ça, des 2000. Ils sont tout contents quand ils ont fait 5 avec des mises équivalentes à 15 balles. Ah oui, ah oui, quand ils ont fait x5 avec des mises équivalentes à 15 balles. Bah, en même temps, ouais, bah, c'est comme ça qu'il faut commencer, hein. Tu vas pas commencer avec 3000 balles sur de la crypto. Il faut, faut sacrément savoir ce que tu fais, et encore, quoi. Ouais, Path of Pain, le sentier des souffrances. C'est ça. C'est la partie que j'ai trouvée en tapant dans les murs, donc dans le palais blanc, donc c'est cool. Je pense qu'il va y avoir de l'entraînement offline pour ce truc, mais je veux bien essayer dimanche matin pour voir. C'est juste que là, par contre, je m'acharnerai pas pendant 6 heures, parce que je pense qu'il me faudra de toute façon plus que 5-6 heures de pratique, vu mon platforming de merde. Une partie qui te fait cracher du sang. Exactement! C'est exactement ça. Bah d'ailleurs, je vais tout doucement lancer le jeu. Bah, je me garde ça. On va voir dimanche si je suis pas trop crevée. Pour au moins découvrir, parce que j'ai regardé que le début. Mais vraiment que le début, quoi. J'arrivais pas à grimper le long du mur, donc déjà, ça annonce la couleur. Donc oui, ça va être le sentier des souffrances. Mais bref, c'est le genre de truc... Je vais lancer le jeu, quand même. Au moins 10 heures, je pense, mais tu n'es pas obligé de faire tout d'un coup. Ben... Alors, ça dépend, Shadow Wonder. Est-ce qu'il y a des points de sauvegarde? Parce que... S'il y a des bancs, ça va, mais s'il n'y en a pas... Faut quand même que je le refasse, quoi. Le début, j'ai monté 3 murs, j'en ai eu marre. Ouais, en fait, c'est pas tellement que j'en avais marre, c'est que je me disais... A priori, tout le monde m'a dit tu peux y retourner encore après, et c'était pas très loin d'un banc. Donc, relativement safe pour y aller. Et le coup, c'était... Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que je finisse le palais blanc et ensuite je fais ça tranquille? C'était plutôt ça, quoi. Zéro point de sauvegarde. Ouais, donc... si je suis pas tout obligée de faire tout d'un coup, on est d'accord que pour niveau de l'entraînement, oui, je vais pas faire tout d'un coup, quoi. En vrai, ça te fait digérer, toi, parce que tu restes 3 plombes. Le sentier des souffrances. Ouais, parce que j'aurais peut-être lancé. Donc ouais, ça c'est la petite partie que j'ai faite où j'ai continué mon autre game pour filmer des combats de boss, tout ça. Mais évidemment, comme je voulais que ce soit du platforming et du combat, parfait. Donc quand il y a un combat qui n'était pas suffisamment bien, je me disais, on va crever dessus et puis on le refait pour l'enregistrer, quoi. Donc ça prend des plombs pour pas grand chose. Je ferai pas un speedrun sur cette partie. Du coup, oui, donc je vais peut-être aller dans l'abysse. Alors Ninja, je vais recommencer une partie, oui, alors je n'abandonne pas celle-ci. Oh Bob Super Tomate, merci pour ton abonnement. Comment ça va chez toi? Eh, vous avez entendu? Vous avez entendu l'alerte du sub, elle n'était pas doublée. Je crois que j'ai réussi à réparer mon truc. Donc voilà, c'était le bruit du pipou pour les alertes. Parce que je trouvais ça plus sympa que ce que j'avais avant. Alors, comment ça va? Et je sais pas si tu... Bob, je sais pas si tu joues à Hollow Knight. Si tu n'y joues pas, ça va. Si tu y joues, je suis en endgame, donc ce sera peut-être spoil. Je te préviens juste, parce que je sais pas du tout autrement. C'est trop bien comme bruit, hein. Je me souviens, l'autre live sur HK, tu disais que t'allais arrêter, t'as pris une heure pour arrêter. Oui, oui. En même temps, c'est un peu ça, je dis que je vais arrêter, et puis au final... Mais attendez... On va peut-être se charger en âme. T'as jamais joué, mais tu veux. Ok, ben j'espère alors que ce sera pas trop spoil. Parce que... Mais pourquoi je disais ça? Ouais, donc cette partie, je ne la laisse pas tomber. Mais j'en ferai une autre. Parce que, bah pour faire les trucs qui sont mutuellement exclusifs, à savoir, ici j'ai pas sauvé Zot, donc je sauverai Zot. Ici j'ai pas tué le forgeron, donc je le tuerai. Etc, etc. Il y a pareil pour Grimm, on peut choisir, il y a deux fins différentes. Donc à ce moment-là, ça je le ferai dans l'autre partie. Et je disais que je faisais quoi à l'abysse? Alors c'est quoi le chemin le plus court pour l'abysse? Bon, je vais aller prendre le... Ah non, pour prendre le coloptère, faut que je fasse tout le tour. Ah, la bouse. Ok. On va passer par là, ça va être plus simple. Tu sais où il est le forgeron? Ouais, j'ai déjà trouvé. Alors, a priori, c'était pas si évident, mais moi, ça me semblait complètement logique. Je sais plus qui m'avait dit, ouais, hop, j'avais dit un truc, ouais, je le retrouverais bien en repassant. Qu'est-ce que je fais, moi? J'aurais peut-être dû faire un cristal dash dès le début, c'est pas grave.
Que ouais, ouais, on m'avait dit, ah, pas sûr que tu le retrouves. Alors je me suis dit, ça doit donc pas être sur un chemin où je risque de repasser plein de fois. Où peut être un forgeron? Ah, je sais pas, peut-être chez un maître d'aiguillon. Oh, vu qu'ils sont tous les trois dans le trou du cul du monde. Donc j'ai commencé par Mato, et puis... Ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que Shadow Wonder dit, le stream est méga spoil. Ah ouais, non, alors attends. Shadow Wonder, tu me dis, il y a un panneau pour le forgeron. Vous voulez dire pour le trouver au départ, hein, ou pour le trouver à la fin, quand j'ai choisi de pas le tuer? Parce que ce sont deux choses différentes. Ah! Mais je t'ai oublié, toi. Il a failli me surprendre. Donc oui, en tout cas, dans les deux cas, mais non, je veux pas aller ici... Quoi? Ah, mais je suis pas montée! Il y a un panneau d'aiguillon. Purée, j'ai réussi à me paumer ici. C'est quand même hallucinant. Voilà. Ouais, 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 ça, Ninja, il n'y a aucun problème, je l'ai trouvé, ouais. Ouais. Alors après, Bob Super Tomate, ça dépend, parce que si tu comptes le faire, mais genre dans 3 mois, t'auras peut-être tout oublié. Par contre, ce que je ferais, comme lui, je parlais avant de faire une autre partie pour faire ce qui est mutuellement exclusif. Ça, par contre, je commencerai depuis le début, évidemment, donc ce sera pas plus spoil que ça, on va dire. Bah ouais, ouais, on est d'accord, le forgeron, il y a un panneau d'aiguillon. Coléoptère pour aller dans l'abysse, ça y est, j'ai déjà oublié ce que je fais. Je vous garantis, j'ai le degré d'attention du mitre crevé, c'est hallucinant. Deux secondes. J'ai oublié de faire un truc. Je relance le jeu parce que je peux pas changer la langue depuis le jeu. Hein. Et malheureusement, il ne me ramène pas au menu à cause des réglages que... Je crois qu'il y a un truc, j'ai dû activer un mode pour qu'il reconnaisse la manette et du coup, au lieu de fermer, au lieu de retourner au menu, il plante. Mais bon, je sais que je suis pas la seule à avoir ça, quoi. Ouais. Eh, j'ai pas encore décidé ce que je fais avec Grimm ici. J'avoue. Donc j'avais dit en français. Quand je vous dis que le français et l'anglais c'est interchangeable, je me rends même pas compte que c'est en anglais quoi. C'est juste... T'as peut-être pas vu la technique de l'âge que j'ai donnée à Nao. Ouais, ouais, on va le laisser découvrir. Mais ça, cette technique, elle était absolument honteuse. Donc évidemment, je l'ai tentée. Hein. Parce que... J'adore ce truc. Ça donne pas envie de rester sur les bancs, mais c'est pas grave. Il y a un sort meilleur que l'autre, je crois qu'il faut le bannir. Alors, j'ai un peu regardé par rapport à ça. Et le truc, en fait, c'est que le bannissement, je crois que c'était pas génial au départ. Mais par contre, c'est bien depuis le DLC là avec le Panthéon. Si j'ai bien compris, c'est ça, en fait. Coucou Kelasco, comment ça va? Le truc ultra énervant, quand tu utilises la magie d'en face, tu veux te régénérer. Oui, ou quand je sors de l'inventaire et je balance le sort comme ça, parce que... pourquoi pas. Donc, station cachée, on disait. On fait aller chez moi. Ben écoute, ouais, moi ça va, je suis en vacances. Quand tu dis on fait aller, j'espère que t'as pas eu non quand même une semaine trop de merde, quoi. Parce que... C'est un petit on fait aller, on va dire, quoi. Donc, je vais aller dans le bibis. Hein. Allez. Style. J'adore ce truc. J'adore le cristal d'âge. Ça aussi, j'adore. Me prendre les murs à chaque fois. Alors, c'est bien par là, l'abysse. Hein, je me trompe pas. Ouais, c'est bien par là. Top, todo. J'ai failli encore me vautrer dessus parce que c'est machin là, quoi. Rien de grave, une prise de tête inutile mais qui me travaille quand même. Une prise de tête inutile mais qui me travaille quand même, mais ça va passer. Je crois peut-être voir de quoi tu parles. Je suis pas sûre, je vais pas te poser de questions ici. Si tu le bannis, tu loupes une musique incroyable. Ouais, mais c'est pas grave, vu que de toute façon, je ferai les deux. Je ferai deux parties, c'est le but. Là, bah attendez, je peux enlever ce truc maintenant que j'y pense. Elle est où ma carte ?
Je veux dire, la musique de l'Abyss est trop géniale. Enfin, je sais pas si on peut parler de musique, mais... Je crois que ça loupe ton 112. Bah, je suis pas sûre, justement. Je sais pas du tout. J'ai vu que non. Mais... Mais va bouffer, t'es mort, toi. Bon, juste... J'aurais dû faire ça dès le début, en fait. Mais il y a les crânes de mes petits frères. Ça commence bien, hein. On va peut-être pas faire le Colisée tout de suite. Hein. La musique est bien, mais le charme du bannissement est mieux. En fait, moi, ce qui m'importe surtout, c'est est-ce que ça me nique le 112%. La question pour moi, elle est surtout là. Ouais, c'est toujours ouvert, ce truc, c'est bien. Ah oui, c'est vrai qu'ils m'attaquent plus, ils sont gentils. Absolument pas, dans le jeu, rien ne peut t'empêcher de louper le 112. Ah ouais, je sais pas. Je pense que tu penses juste, mais on va effectivement pas en parler ici. Je te MP sur Discord, enfin, sauf si vraiment t'as pas envie d'en parler du tout, dans quel cas, je te laisserai tranquille. Parce que je me suis posé des questions, on va dire. Purée, mais ouais, ils étaient là, ces saloperies, et là, ils sont plus là, quoi. Ah, j'espère que j'ai rien loupé, enfin que c'est encore possible de les faire. Mais en même temps, on est d'accord, les tentacules du vide, ils étaient pas frappables. Parce que je crois que j'avais déjà essayé. On peut en parler en privé, ok. Ok, ok. Ouais, parce que je savais pas, je me suis dit, ah, je t'emmerde avec ça ou pas. Mais bon, bref. Attendez, on va refaire tout le chemin. Parce que je pense que ce que je cherche n'est pas au niveau des plateformes pour descendre dans l'abyss. Mais je sais qu'il y a une daube. Alors c'était quoi si Shadowhunter, il y a sur Google, en plus si tu bannis, tu loupes deux boss. Vous savez, j'ai déjà loupé le contenu avec Zot. Donc ça par contre, on m'avait dit ça ne nique pas le 112%. Il y en avait où? Il y en avait ici. Ah non, ils réapparaissent pas, on est d'accord. Ah, la chienlit. Est-ce qu'il y a des trucs ici? Je mentis, je crois qu'il y a quelque chose de caché. Bon, comme dit, je vous dis, je me suis à moitié spoilé, mais sans plus. Il n'y a pas de la lumière qui tombe, là? Juste un petit instant. Hey! Excellent, ça j'ai complètement loupé la première fois. Comment j'ai fait pour louper avec la lumière qui tombe? Ah oui. Ben... Je cherchais un truc pour... déjà pour mettre les tentacules du vide dans le journal. Et je crois qu'il faut aller... Bah comme dit, je me suis à demi spoilé mais sans plus. Et je crois qu'il y a un truc dans l'abysse, je sais pas si c'est là. Parce que je les ai pas dans le journal du chasseur et je crois qu'il y en a besoin. Une empreinte matérialisée des abysses. Est-ce que ça pourrait être ça? Ah! Il y a eu le symbole du chasseur. Mais c'est peut-être ça en fait. Attendez, c'est pas connement ça, si? Ah bah voilà! 137 sur 105. Ah ouais. Donc il me manque. Alors en accord, le vaincu c'est le nombre total. Hein, donc il m'en manque 4. J'ai 4 entrées qui manquent. Nickel, ouais, bah c'est cool. C'est Mais heureusement, enfin quelque part que je me suis spoilée entre guillemets parce que... sinon je l'aurais jamais remarqué ce truc. Peut-être que je fasse mon shadow dash. Bon bah en fait c'est pour ça que j'étais venue, donc on va repartir. Hein. Voilà. Maintenant on va pouvoir remonter. Est-ce que je portale? Est-ce que je portaille? Il est où mon portail? J'ai laissé où encore ce crétin? Mouais. Mouais. Les fake piou-piou. Quoi? Les fake piou-piou? C'est quoi ça? En vrai, le bannir, tu loupes une musique, un boss incroyable, une statue dans le Panthéon. Le bannir, je pense pour moi que c'est une mauvaise idée. Bah, en même temps, comme dit, je ferai les deux parties. Hein. La deuxième partie, je la ferai, je veux dire, aussi, quelque part, jusqu'au bout. Donc,
Ça veut dire que j'aurais le droit de refaire le palais blanc une deuxième fois. Yeah. En vrai, c'est pas grave. Ça m'entraînera au platforming. Bah, à voir. Je chercherai, parce que si... je chercherai qu'est-ce qui est recommandé, qu'est-ce qui est le mieux. Parce que là, le Panthéon, je vous cache pas que je vais avoir masse difficulté, vu mes skills en combat. Donc, si ce qu'on m'a dit est correct, à savoir que en le bannissant, je peux obtenir un truc qui m'aidera pour le Panthéon, je serai quelque part assez conne de pas le faire. Putain. Mais c'est pas... Voilà. Mes skills de platforming dans toute leur splendeur. C'est beau, hein. Ouh. Normalement, là, je peux atterrir sans me croûter. Pff, magique. Si tu as toutes les chenilles, tu as trouvé des fausses chenilles qui t'attaquent, oui. Ah, oui, oui. Les mimiques, machin, je sais plus comment ça s'appelle. J'en ai trouvé une chiée à nid profond. Il y en avait, je crois, 4. Il y avait une chenille et 4 merdouilles. Plus une dans les... Au mont cristal. Donc, je sais pas du tout où ils sont rangés, par contre. Je pense pas que ce soit là. Comment ça s'appelle? Ça, c'est les trucs du Colisée. Oblobble. Les Oblobble. J'adore le nom. Mais en tout, c'est ça, hein, l'arf caméléon. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça, c'est réglé. On est d'accord, a priori. Alors, au niveau des achievements, pour le journal du chasseur, je sais pas si ça compte dans le 112%, mais il me semble qu'il y en a deux. Hein. Il y en a, il faut, ben, pour trouver toutes les entrées, et ensuite pour débloquer toutes les notes du chasseur. Hein. Ok. Est-ce que je vais y arriver, celle-là? Putain, elle est sérieux, quoi. Je pourrais aller sur l'autre, mais flemme. Bon. J'ai rien dit. En vrai, je sais pas si je suis juste vraiment nulle comme crasse en platforming ou si celle-là, elle était pas prévue pour. Du coup, je pense qu'il y a les mobs au Panthéon et 3 autres au Colisée. Ouais, parce que le Colisée 3, j'ai de loin pas fini. Donc, zut. Attendez. Je me mets pas les doigts dans le nez, c'est promis. C'est juste mon piercing qui t'en tourne. Et c'est pas très agréable. Purée, je me rappelle jamais où est la sortie de l'abysse. Sérieusement, quoi. Enfin, je sais qu'il faut monter, mais alors à part ça. Est-ce que c'est là? Je crois que c'est là-haut. Crois, hein. Non. Bon. Bon. Tu as déjà tué une chauve-souris avant qu'elle explose? Non. Je crois pas. Ouais, d'accord, les machins qui sont au plafond avec le ventre orange et qui poussent un espèce de gros cri et qui s'écrasent au sol, hein. Alors, je reprends dans l'ordre. Ninja, pourquoi j'ai pas sauvé Zot? Parce que j'ai zappé. Comme je commençais le jeu, et quand je l'ai vu... Alors d'abord, je croyais que c'était un PNJ, que je pouvais pas lui parler, parce qu'il y avait pas de machin écouté ou autre chose. Ensuite, je me suis dit, ah ouais, il a l'air d'être prisonnier d'une créature, mais je me sens pas de le faire maintenant, donc je repasserai plus tard pour le libérer, quand je serai un peu plus à l'aise avec le jeu. Et en fait, j'ai zappé, et j'ai continué vers chemin, machin, les mantes, j'ai pris la griffe, j'ai battu les mantes, je suis allée à la cité. Et ensuite, je me suis rappelée d'aller chercher bah, ce gars. Et là, quand je suis arrivée, il était mort. Mmh. Normalement, tu peux leur donner un coup, ils font pas de dégâts. Le truc, c'est que j'arrive pas à les atteindre, elles sont en général assez haut. Mais je regarderai s'il y en a que je peux faire. Est-ce que t'as le cœur de vide et tu as fini le palais blanc, du coup, pas trop dur? Alors, est-ce que j'ai le cœur du vide? Oui. Est-ce que j'ai fini le palais blanc? Oui. Pas trop dur, ça m'a pris 6 heures. Et j'ai un petit peu craché du sang, mais bon, ça c'est pas grave. Je pense qu'il fallait s'y attendre. Par contre, 6h30 de stream, je vous garantis que j'étais pas fière, hein, niveau énergie physique après, quoi. Du coup, qu'est-ce que j'avais dit? Déjà, je vais remonter. Ça pourrait être cool.
Voilà, on va faire ça comme ça. On va pas prendre de risques à la con. Il y aura un petit bout de colisée tout à l'heure. Parce que faut quand même que je le fasse. Colisée 3. À mon avis, je finirai pas ce soir parce que je me connais. Mais je préfère faire des petits essais de temps en temps comme ça. 5-6 essais. J'ai retenté le Hollow Knight. Non, pas encore. Tiens, c'est une bonne question. Ça pourrait peut-être valoir la peine. De le retenter à l'occasion. Mais tentez pas. En plus, t'avais dit que tu ferais pas un live de 6 heures. Ouais, enfin. Je dis beaucoup de conneries aussi. Ben, en fait, le problème du Palais Blanc, c'est que pour m'arrêter, il aurait fallu que je m'arrête au bout de 2h30 de stream. C'est-à-dire au dernier banc. Ok. Parce que, après, une fois que j'étais partie, qu'il n'y avait plus de points de sauvegarde, je me suis dit, c'est pas possible. Si, après avoir tryhard pendant 2 heures, si je m'arrête maintenant, je vais me détester. Donc, du coup, mes potes m'avaient dit, ouais, on fait rien cet après-midi, ils étaient, je sais plus ce qu'ils avaient, ils étaient avec leur club, club jeu de rôle, je crois, ou je sais plus. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, j'ai toute l'après-midi, on tente. Entre ce qu'elle dit et ce qu'elle fait, c'est un autre monde. Bah, ouais, quand on est accro, des fois, voilà. Bon, par contre... Là, comme dit, c'est, j'étais en début de vacances, j'avais le dimanche après-midi de libre. On est d'accord que, bon, si je fais du Hollow Knight à mardi soir et que je me lève le lendemain à 5h30 pour bosser, il n'y aura pas de live de 6h. Hein. Là, Palais Blanc ou pas. Qu'est-ce que je vous avais dit en début de stream? Donc, journal du chasseur, je pense qu'il y a des trucs au Colisée, de toute façon, il faut que j'y aille. Ensuite... Peut-être essayer un peu le Colisée, maintenant que c'est en début de soirée que je suis pas... pas trop crevé. Oula, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, OBS? J'ai plein d'images perdues, là. Oula, il est pas content. Il est pas content. Il est comment, le stream, pour vous? Ça va ou c'est de la merde? J'ai l'impression que je suis en train de perdre beaucoup de framerate. Enfin, de... Ah, c'est pas cool, ça. N'hésitez pas à me dire dans le chat si ça devient... s'il y a des ralentissements, si... Je sais pas du coup si c'est Twitch ou si c'est ma connexion. Attendez, je vérifie quand même. Qu'est-ce que me fait ma connexion? Oh putain. J'espère.